Coucou les poupous, les poupettes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous montre ma petite routine make-up, enfin préparation pour sortir en fait en vacances. Parce que du coup là je suis en Grèce, il fait super chaud. Mais comme je me maquille un petit peu, j'ai décidé de vous montrer comment je faisais. Donc là c'est ma préparation en fait d'aujourd'hui, tout simplement. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour la perruque. C'est un carré que j'ai coupé, donc je vous montrerai la vidéo, enfin je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Elle me vient de chez ICR, donc je vous mettrai le lien. Qualité au top. Les mèches ICR, j'ai rien à dire sur le lisse. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent mes perruques lisses viennent de chez ICR. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo, comme ça vous allez voir comment moi je me prépare, etc. Et voilà, c'est parti. Donc, je vais commencer par faire mes sourcils. Malheureusement, je n'ai même pas de brosse à sourcils. J'ai trop la rage. Donc, je fais avec les moyens du bord en fait. Hein? Mes sourcils, je les fais avec mon gel à sourcils. Donc, c'est mon gel à sourcils de chez Kiko. Donc il est comme ça. Donc moi je prends le numéro 05. Donc je vais faire mes sourcils avec un pinceau liner. Et voilà. Bon, ils sont pas parfaits, mais on va nettoyer tout ça. Donc pour nettoyer mes sourcils, je vous montre ce que je prends. C'est la base P. Louise. Donc je la prends en 0... C'est quelle teinte ça? 06. Normalement c'est une base pour les yeux, mais moi je l'applique pour nettoyer mes sourcils tout simplement. Et franchement ça fait grave l'affaire. Genre vraiment, j'aime beaucoup. Là, je viens estomper en fait l'anti-cerne avec mon pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Morphe, donc c'est le E8, je crois, parce que ça s'est un peu effacé, ça date, je l'ai. Ça doit faire allez, 3-4 ans que je l'ai. Donc j'essaie d'estomper comme je peux. Je vais prendre mon mascara à sourcils. Mais après j'ai pas fini d'estomper hein. Et là je vais venir brosser mes sourcils tout simplement pour que les poils restent en place. Donc juste avant d'appliquer mon fond de teint ou mon anti-cerne, je vais prendre ma crème solaire. Donc celle-là c'est pour le visage. Donc c'est vrai qu'avant je ne faisais pas attention, mais les rayons du soleil ne sont pas forcément bons pour la peau. Et du coup, je pensais pas que ça accentuerait un peu mon hyperpigmentation. Donc là, j'en applique avant de me maquiller. Même quand je ne me maquille pas, j'en applique sur mon visage. Celle-là, elle est bien. Elle n'a pas le fini, vous savez, un peu bleu-gris sur les peaux noires. Donc c'est la crème de chez Caudalie. Donc voilà, je l'avais achetée en pharmacie. Et voilà, donc j'en applique un peu. Après, il faut juste bien étaler. Comme je ne mets pas d'anti-cerne, parce que d'habitude je mets mon fond de teint plus mon anti-cerne plus ma poudre, là je mets juste un peu de fond de teint, mais genre vraiment un peu. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc je prends mon pinceau avec quoi j'ai estompé mon anti-cerne et je vais comme... J'en ai presque plus, j'ai trop la rage. Faut que j'en rachète. Parce qu'en fait du coup comme j'ai bronzé, il me va plus trop. Donc du coup Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer d'abord sur mes paupières. Et je vais faire attention à mon contour des sourcils pour pas qu'il y ait des marquations en fait. Je vais en appliquer sur mes paupières. Donc là j'ai des extensions de cils, donc il faut que je fasse attention. Et je vais en appliquer juste en dessous, mais genre un peu. Corriger un peu mes cernes. Et j'estompe bien.
Et du coup, j'ai mis quelque chose de liquide pour que ça fixe bien. Je vais juste prendre un peu de poudre, mais genre vraiment un peu, avec mon pinceau Sephora. Et je vais presser, et je vais tapoter en dessous, en fait. Et voilà. Vous voyez, ça matifie tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Même si on a dit, on ne se maquille pas beaucoup. Et je prends mon gros pinceau où il n'y a pas de produit. Et je fonds le tout. Juste mettre un peu d'highlighter. Donc ça, c'est l'highlighter de chez NYX. C'est le Band to Glow. Je l'avais acheté en solde. J'allais dire en promo, c'est la même chose. En solde à 4,70€ au lieu de 15€. De toute façon, c'est chaud. Vous voyez comment ça marque? J'en ai mis juste un peu, ça brille, on dirait. J'ai jamais mis d'highlighter de ma vie. Je comprends pas. Oh my god. J'ai un peu de gloss. Normalement, il est transparent, mais bon, vous connaissez avec les crayons. Les crayons marron là. Donc, c'est mon gloss de chez Kiko. Soit je mets du crayon en contour, soit je mets le gloss comme ça. Là, je vais venir lisser vite fait le carré parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas abuser de... Parce que là, j'ai pas du tout lissé en fait. Donc là, mon fer est chaud, donc je vais lisser ma perruque en vite fait. Donc, je vous invite à regarder la vidéo où Elodie, ma copine, me coupe ce carré parce que du coup, je ne l'avais pas reçu comme ça. Mais les mèches... Elles sont incroyables, genre incroyables. On va venir faire en sorte que ici ça ne bouge pas. Donc je vais prendre un peu de mousse olive oil. Ça ne bouge pas. Je prends toujours la même mousse. Hop là. J'en applique un peu ici. Et sur le bas de mon carré. Comme ça, ça ne bouge pas. Et voilà, je suis prête pour sortir. Donc je me suis préparée en... Même pas 20 minutes. Et voilà en fait. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc là maintenant vous avez vu comment je me prépare en vite fait, en 20 minutes. Genre top chrono, je me prends vraiment pas la tête. D'habitude moi je fais des full face. Je fais vraiment genre quand je fais mon teint, je fais mon teint. Là j'ai vraiment corrigé au minimum. Genre vraiment. Et ça me convient, genre ça me va. Il fait très très chaud. Donc voilà. Après je le fais vraiment quand je sais que je dois sortir par exemple au resto, le soir, etc. En journée... S'il faut, je ne maquille pas. Ça, je m'en fous complètement. Mais voilà, comme ça, j'aime bien m'apprêter un peu pour faire mes photos et tout et tout. Donc, je vous remets le lien de cette perruque, à savoir qu'elle a été coupée. Donc, je vous mettrai la vidéo où ça a été coupé à la tondeuse, etc. Parce que je l'ai reçue un peu plus longue. Mais ça vient de chez ICR, un de mes fournisseurs préférés, clairement. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à activer la cloche, vous abonner. Suivez-moi, genre maintenant, si ce n'est pas fait. Et voilà, je vous fais de gros bisous.